mom lañ lay laaj né la dañu am espoir ci mom xam nga man dama japp né su féké né bëgg nañu combattre Ousmane Sonko ñom wa nguur gi c'est un opposant c'est un homme politique n'est-ce pas oui. qui a ses qualités et ses défauts bu len nexé ils peuvent le combattre du point de vue des idées en France amuna un constitutionnaliste bu mag buñ doon tuddé Stéphane Bomo da nañ wax né ki di Front National limi doxal mengoul ak constitution est ce que dafa tax sax Front National France ñu baña xagn Marine Le Pen mu bok dañu ko daan sax bu amul parrainage sax wa socialiste yi wala républicain yi ñokoy parrainer mais le Front National est toujours combattu du point de vue des idées motax ba tay excégul au pouvoir tay ay wa pastef lañu japp way ne len dañ leena jiñ terrorisme japp Ousmane Sonko jiñ ko terrorisme ci ko xamni bu ne ndaw ñi dama bëgg ngeen dem vacances agricoles patriotiques ndaw yop soub ci sune len dama bëgg ngeen dem ngeen remplir les poches de champ de sang pardon ndaw yep dem wa mais un opposant comme ça da ngay waxtaan ak mom néna su féké ni tay par exemple dañu bëgg am une démocratie de forte intensité il faut ñu am n'est-ce pas de gentlemen et de grandes dames dafa wéssu fi fiñ ci toll non il n'est jamais trop tard oui légui lëj bi ni autour de décision bi wacc na nu muy def ba appliquer ko sew sew yoyu bolé ko ak délai yi fi né yoyu yëpp nuñ koy lidjenté dina lidjenté la tax xéna ñuy ñëw ci patch bi ngay jundul lu tax Ousmane Sonko sera candidat et il participera à l'élection présidentielle Ousmane Sonko a les 9 pièces et les 7 mentions et 9 mentions si on veut dire donc qui doivent composer le dossier de déclaration de candidature muy yane yu mom amna certificat de nationalité il est exclusivement de nationalité sénégalaise rappelé nako biñu koy invest biñu koy déclarer désigner candidat le 13 juillet Ousmane Sonko jouit de l'intégralité de ses droits lan mako teunk tay même contumace biñ don wax le juge ñion faxas nako fele tion le juge tion pardon tiaxas faxas nako fele Ousmane Sonko est en règle avec le fisc. Ousmane Sonko parle couramment le français et l'écrit. Ousmane Sonko a sa carte d'électeur. Fayna caution, n'est-ce pas? Il est investi par une coalition. Et Ousmane Sonko, moi aussi, def na acte de candidature ba paré. Non fi maintenant. Lan mo di dess? Amul dara 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 lu ko xagn mu meuna don candidat et il participera à l'élection présidentielle oui mais boone def na caution mu dess parrainage bi les bok ci dossier yi ñuy présenter ci kanamu conseil constitutionnel waaw 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 fichier waaw ba fiñ ci toll waaw jotey gu ci waaw lolu impact bi waaw lan lay doon impact bi mo doon impact ci mom non amul ben dina doon impact parce que Ousmane Sonko est discriminé lolu moy impact bi ses droits constitutionnels confisqués et même piétinés mais par contre yag nako fateli néna né suñu fouler le droit au pied wala suñu tordre le cou au droit da lañ ko rétablir par le droit le juge Sabassi Faye def nako le juge John def nako et dama japp né conseil constitutionnel aussi dossier président Ousmane Sonko su fa yeggé dañuy valider sa candidature xam nga malgré wa lutax non Ousmane Sonko soudé ni batay comme niñ ko waxé administration notamment DGE batay nanguluko ay dafa dem na fa genn na xamuñu façon de toute façon la fa jëlé way malgré yoy yep de toute façon ñom suñu défé lool non cela signifierait que tous ces actes là ne sont pas imputables à Ousmane Sonko c'est un candidat c'est un sénégalais qui a le droit de déposer sa candidature de bes buñ ci yeggé bu boba conseil constitutionnel mënul def loolu valider la candidature d'Ousmane Sonko donc j'en appelle à la responsabilité moy ñu jox Ousmane Sonko fiche de collecte de parrainage même bu conseil constitutionnel di apprécier gis ni ci élément yi nga énumérer amna benn bu ci manqué xam nga Ousmane voilà. xam nga conseil constitutionnel bu apprécier du apprécier rek sur pièce sur place de à L127 lan la ko wax daf ni ko pour s'assurer de la validité des candidatures le conseil constitutionnel peut faire mo meuna def enquête bép donc ci luñu nek ni dañu yakarne buñu démé rek donc wa day apprécier sur pièce non non sur place et sur li gën moy ñu jox ko ay fichier mais même suñu ko joxul ay fichier Ousmane Sonko sera candidat donc dañu ko jox ay fiche de collecte parce que tamit bu dé lolu la mais yobuna torop ma jox la exemple
déjà yow waxul fi ni yewi askan mi du ngeen régulariser oui ñu dem conseil constitutionnel jox leen deug néna la partout où le droit sera dit Ousmane Sonko aura raison et il triomphera buñu démé ci kanamu conseil constitutionnel si le droit est dit Ousmane Sonko aura raison et il triomphera et il sera sur la liste des candidats qui sera arrêté par le conseil constitutionnel moy option bi jamono ji pour wa passer lolu c'est la direction du parti ñokoy wax ci li nga gis quoi la bëgg wax non ci li nek di dox ni xam nga lan moy option bi moy Ousmane Sonko est le candidat officiel du parti qui a été désigné par la haute autorité le 13 juillet 2023 té Ousmane Sonko donc dara mënu ko xagn candidat don candidat li ci dess nak bu féké la tactique politique la wala ce que doit faire la direction du parti c'est-à-dire que la haute autorité elle est détachée de la direction du parti donc janam wacc na côté bobu nonou mais en tout cas Ousmane Sonko est le candidat investi et il est candidat des patriotes et il participera à l'élection présidentielle lu ñu indi ba fi Diaye Doley Diaye Doley ci yow dafa leer non Diaye Doley moñu fi indi xam nga lan motax Ousmane Sonko wone na xar kanam bu bess andi fi programme bu bess am fu mu jaar nak wa xam nga un parti politique fabrique des gouvernants mais un parti politique aussi participe à la formation des citoyens article 4 bu constitution la Ousmane quand la Ousmane commencé dugg ci politique tek partem 2014 bi mu démé élection présidentielle 2019 2017 bi mu jéké dem législative ñant la plus de 35000 37000 voix ouais mu dém élection présidentielle en plus de 600000 voix de 15% mu dém 2022 nekul ci liste yi ñu xagn ko akam ak yellefam damay dégg nit ñi nan Ousmane Sonko ñu xagn ko lolu un droit fondamental fokoy tek mënul am liste titulaire sans suppléant vice versa ouais c'est débat ay gissé même fekk amna ñuko téggi effectivement yoon tamet téggi ko xam nga dama nan lolo grave mëna am motax mané la partout où le droit sera dit on peut dire le droit et ne pas dire le bon droit limay wax motax dafa sori partout où le droit sera dit Ousmane Sonko aura raison et il triomphera ñu xañ ko mëna lako opposer né sa appréciation la rek xeyna mëna baña téggu ci droit ma wax la bo jappé ni ce n'est pas du bon droit ma jax ma wax mënañ lako opposer ma wax la lama waxone lool la saba sifay deugal lama waxone mom la ci ciom deugal lama waxone ci khalifa sall mom la cour de justice la cede yaw deugal oui sauf que ci ñaar de juge mom apprécié ñu liste forclusion liste bi comme niñ ko dundé won ci législative ma jox la exemple oui conseil constitutionnel bi mu défé lool ban juriste nga gis mu guen ni conseil constitutionnel limu def jaar na yon nous aussi nous enseignons le droit oui il peut y avoir des décisions de justice yo xamné arrêt d'espèce la manam c'est appelé à disparaître bima paré bima ko waxé kan mo guen sunu doyen Ibrahima Fall oui n'est-ce pas oui. waxu ci ak yeneeni kangam ci droit ño xamantene sax seni téré la jangé met dund noy guenul oui xam nga dama nan le droit est l'art du bon et du juste ñun waxuñu pour suñu bakkan parce que nous sommes des otages de la prudence sama vidéo yi day dess oui dama am ay doomi ndaw buñuy wax en fait c'est pour l'intérêt supérieur de la nation élection faite la concurrence la mais dans cette concurrence saine adversité bi n'est-ce pas donc dafa wara don lo xamanteni donc dafa wara teggu ci gentleman ak grande dame manam tay cette élection est considérée comme une grande élection Abdourahmane Diouf sama koy wax mu ngi wax une génération d'idées xam nga élection bo xamanteni tay amna ci ño xamni tay dama koy wax tout le temps Thierno Bokoum bu bokone mu ngi wax